Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 22 octobre. Il est 6h30 et c'est bien Télématin, donc c'est bien vous. Myriam Seurat s'est déplacée pour vous dire qu'il va y avoir des pluies, qu'elle pourrait rester là pendant toute la semaine. Et bon, intéressons-nous d'abord à ce lundi. Bonjour. Bonjour. Effectivement, alors la vigilance a été levée en ce qui concerne les intempéries dans le sud. Alors on avait des intempéries dans le sud-ouest qui se sont déplacées ensuite dans le sud-est. Il est tombé quand même dans le Var l'équivalent d'un mois de pluie. On va encore retrouver ces pluies soutenues ce matin du Var jusqu'au contrefort est du massif central, donc quand même à surveiller. Et puis sur une bonne moitié ouest, ce sera surtout un ciel bien gris avec des plaques de grisaille que l'on retrouvera d'ailleurs sur un bon quart nord-est ce matin. Alors dans l'après-midi, on va toujours retrouver ces pluies soutenues, cette fois-ci des pluies qui vont atteindre la Corse. Et puis ailleurs, on va retrouver davantage d'éclaircies dans le sud-ouest et également dans le nord-est. Et puis ailleurs, vous voyez donc une alternance de nuages et pas mal de passages nuageux et quelques plaques de grisaille d'ailleurs qui vont persister. En revanche, en ce qui concerne les températures, elles sont encore bien au-dessus des moyennes de saison. Nous avons encore des températures dues à un flux de sud, donc encore de la douceur sur le pays, regardez. Alors ce matin de 11 à 19 degrés, 19 dans le sud-est et dans l'après-midi jusqu'à 23 degrés à 3 par exemple, 23 en Corse, 22 à Marseille, 21-22 à Paris et la minimale sera de 16 pour Brest. Profitons-en car nous allons perdre pratiquement 10 degrés à partir de jeudi. Merci beaucoup, à tout à l'heure.